À la veille de la finale de l'Europa League, il est 20h20, je me devais de faire cette vidéo sur Eden Hazard. J'avais dit il y a quelques semaines, voire il y a un mois, que Eden Hazard allait rejoindre le Real Madrid. Il va rejoindre le Real Madrid avec un autre joueur qui est Paul Pogba. Je l'avais dit aussi dans une précédente vidéo que Eden Hazard allait être annoncé après la finale de l'Europa League. Il va être annoncé très logiquement le lundi 3 juin. Normalement, le lundi 3 juin. Eden Hazard va rejoindre le Real Madrid pour 130 millions d'euros. Et pour 400 000 euros par semaine. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Maintenant, on peut toujours débattre. L'annonce officielle n'a toujours pas été faite, etc., etc., etc. Mais Hazard va bel et bien rejoindre le Real de Madrid. On a pu voir récemment dans l'interview de Florentino Pérez qu'il était très intéressé par Hazard et qu'ils étaient sur lui depuis plusieurs années. Le projet de reconstruction du Real de Madrid est en marche. Pogba va rejoindre le Real. Il y avait Jovic, Luka Jovic, qui devait rejoindre le Real de Madrid. On l'a annoncé pendant un moment, puis ça a été annulé. On va encore voir après la finale de la Ligue des Champions, quand la saison va être vraiment, vraiment close, ce qui va se passer. Je pense qu'Hazard, la saison prochaine, ce sera une personne très bien placée pour avoir le Ballon d'Or. Parce que quand on regarde le jeu de Hazard, le jeu du Real de Madrid et le football espagnol, les joueurs qui vont arriver au Real de Madrid, dang, on peut que dire que Hazard, il va prendre un maximum de plaisir. Je voulais juste faire cette vidéo parce que, quand même, Eden Hazard au Real de Madrid, 130 millions d'euros, 400 000 euros par semaine, avec Pogba, Vinicius Junior, KB9 et d'autres grands joueurs qui vont encore arriver cet été. Un possible Kylian Mbappé. Faut voir. En tout cas, le Real de Madrid, je ne les crois pas. Je suis sûr qu'ils sont sur lui. Ils disent, ouais, ils ne pensent pas à lui. Mais s'ils en parlent maintenant, ça va créer une bombe. J'en suis sûr qu'ils sont sur lui. Maintenant, on va voir si le PSG va laisser Mbappé partir aussi facilement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce transfert. Hazard au Real de Madrid. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose pour lui. Et j'en suis sûr que ce soir, bon, cette vidéo va sortir soit ce soir, soit demain matin, Hazard va faire une grande dernière avec Chelsea. Là, j'ai acheté ma petite fête à crêpes, là. Je vais aller checker ce match. Mais Hazard, ce soir, autant je pense que Arsenal va gagner, autant je pense que Chelsea peut gagner. Pourquoi? Parce que c'est la dernière de Hazard sous les couleurs des Blues. On connaît tous ce que Hazard est capable de faire lorsqu'il est à fond. Et je pense que ce soir, Hazard va y aller à fond. C'était Parlons Football. Laisse un like. Abonne-toi.